Denis Zanko, déjà votre sentiment ce soir? Bah, la déception légitime après une défaite. Hein. On avait l'ambition de mieux faire que contre Valenciennes, ça c'est la première chose. Après, très objectivement, évoquer la supériorité sur le plan collectif de notre adversaire du jour. Ils réussissent à mettre à mal bon nombre d'équipes de Ligue 1 sur leur principe de jeu que tout le monde connaît. Avec beaucoup d'humilité, notre ambition c'était de les empêcher de les mettre en place, de rester solides, de rester cohérents, de les emmener un petit peu plus loin dans le match, de profiter des moindres opportunités. Je crois qu'on a eu ces possibilités-là. Maintenant, dans un match comme ça, il y a deux solutions. Vous emmenez votre adversaire du jour un petit peu plus loin dans le match et vous le faites douter, ou vous marquez les premiers. Et ça vous donne plus d'énergie encore pour s'accrocher à un résultat. Les deux matchs que l'on vient de faire, c'est deux matchs où on a été amené à courir après le score. Et contre des équipes de l'élite, à un moment donné, c'est quand même plus compliqué. Ouais, samedi, alors effectivement, ce match est très important. Ce sera un autre scénario, vous pensez? Écoutez, en tout cas, je l'espère. J'ai trouvé que l'équipe était restée organisée et cohérente, tout au moins jusqu'à 10 minutes de la fin. Après, on a pris beaucoup de risques. Il faudra un petit supplément d'âme encore en championnat pour aller provoquer une forme de réussite qui nous fuit, mais c'est peut-être pas un hasard non plus. Donc le match de samedi était l'objectif avoué, même si les deux résultats négatifs en coupe sont quand même un petit peu difficiles à avaler, parce qu'on aurait aimé forcément poursuivre dans ces deux compétitions. Ouais, c'est compliqué pour les joueurs, hein, parce que bon, voilà, si on cumule, alors effectivement... Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé avant, mais si on cumule les 10 derniers matchs, il y a une victoire en 10 matchs, quoi. Donc forcément, ça les efface, quoi. Je crois que l'élément psychologique va être fondamental pour la grande ligne droite qui nous attend. J'espère qu'on pourra s'appuyer, en tout cas ça va être mon credo, sur les choses positives qui ont été mises en place quand même sur ces deux matchs-là. Il ne faudra pas les occulter et puis mettre le doigt sur nos imperfections du moment. Les petits détails qui font qu'à un moment donné, où tu gagnes ou tu perds. Vous avez encore besoin de temps, alors c'est vrai que ça va vite, mais vous avez encore besoin. Alors on savait que vous n'allez pas tout révolutionner évidemment, hein, en quoi vous avez commencé le 1er janvier quasiment, en 10 jours. Quoi. Dans ce métier-là, on n'a pas de temps, et vous le savez très bien. Aujourd'hui, on a deux échéances là en quelques jours qu'on va essayer de préparer au mieux, permettre aux joueurs de bien récupérer, remettre les têtes à l'endroit, et quitte à me répéter, s'appuyer sur les choses positives qui ont été effectuées pour que toute notre énergie soit à notre disposition pour bien figurer contre Guingamp, qui est un match très important. Ouais, et puis évacuer le doute qui pourrait continuer à s'installer, quoi, au fur et à mesure des matchs. Quoi. Oui, mais la confiance, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les résultats positifs peuvent se mettre en place. Donc, je pense que la première victoire sera une victoire dans le dur, difficile à acquérir. Et j'espère que les premiers points que l'on sera à même de prendre nous permettront d'enchaîner la suite positivement. Bah, c'est la dernière question. Et là, ça rejoint plutôt la politique globale du club. Vous en êtes où au niveau du mercato? Bah, on est en pleine recherche. Voilà, il y a de nombreuses réunions en ce moment pour essayer de trouver le joueur idoine, la personne qui nous permettra peut-être de débrider un petit peu cette situation. Je pense qu'il nous faut un petit peu plus de présence dans les zones de vérité. Peut-être aussi un élément fort pour le vestiaire. Voilà, donc qui a besoin de sentir que tout est mis en œuvre pour bonifier cette équipe. Donc le club travaille d'arrache-pied, bien évidemment. J'espère qu'on pourra finaliser quelque chose au plus vite, mais tous les clubs un petit peu en difficulté sont dans la même situation que la nôtre. Donc j'ai l'impression parfois qu'on cherche le mouton à cinq pattes et ça va pas être ça. Ouais, le mouton, je vous dis, c'est la dernière question, je vais rajouter un élément fort pour réveiller le vestiaire aussi un peu, quoi. Enfin, réveiller ce groupe, entre guillemets. Vous savez, j'espère qu'il n'y a pas une chape de plomb qui est en train de se mettre en place. En tout cas, ma volonté, puisque je suis neuf dans cette histoire, c'est de dégager des ondes positives. C'est ce que je vais m'attacher à faire dans les prochains jours. Ok, merci.